Monsieur, si vous vouliez bien nous suivre, nous pourrions régler tout ça. Non, je ne bougerai pas tant que je vous comprends, ne m'aurez monsieur. Pas garanti. Je vous demande juste de m'ouvrir. Ouvrez juste non. la grille. C'est je dans votre intérêt. Je ne vais rien ouvrir du tout. Il n'en est pas question. Professeur Barnaby, monsieur. Merci et au revoir. Professeur Barnaby. Et au revoir. Monsieur. Bah alors, c'est tout. Vous pouvez pas simplement l'arrêter? J'ai proposé de l'aider, mais il a refusé. Il a dit qu'il n'irait nulle part tant qu'on n'a pas de moyen parfaitement sûr de sortir d'ici. Jesse a une ligne directe vers le QG. La première chose à faire est d'appeler des renforts.
Chères clientes, chers clients, voici une nouvelle qui va vous souffler. Alors, tenez-vous bien. Cela va faire bientôt 3 ans que le Willamette Park View Mall a ouvert ses portes. Quelqu'un a pari. Désolé, ça a coupé. Vous pouvez répéter ? Quelqu'un a pari qu'il y a un magasin de vêtements pour femmes à Alfresca Plaza. Apparemment, il y a 2 personnes à l'intérieur. Thank you.
Donc c'est ce qu'a dit le professeur Barnaby. Ce vieux Schnock est pas fou. Il veut d'abord qu'on appelle des renforts. Alors, la ligne fonctionne ? Le signal a été bloqué. Je peux même pas joindre le QG sur la ligne d'urgence. Donc, si on veut convaincre le professeur Barnaby, on va devoir trouver un moyen de sortir d'ici nous-mêmes. Ok, essayons de faire avec les moyens du bord. J'imagine qu'ils vont pas non plus rester les bras croisés au QG. Il y a un hélico qui va venir. D'ici 3 jours. À midi, c'est pour moi. Est-ce qu'on peut compter dessus ? Absolument. C'est comme ça que je compte partir d'ici. Très bien, alors. Je ferai en sorte que le DHS paye la note. Est-ce qu'on peut aussi emmener le professeur ? Ouais. Du moment que vous me racontez ce qui se passe. Ok. Je répondrai à vos questions. Plus tard. Pour l'instant, on a plus urgent à faire. Si on doit passer 3 jours ici, il va nous falloir de quoi tenir. De l'eau, des couvertures, tout ça. On amènera le professeur ici demain matin. En attendant, garde un œil sur les écrans. Avec tous ces zombies qui rôdent, je doute que le professeur aille quelque part avant demain matin. Désolée de vous avoir impliqué dans tout ça, Frank. Pourquoi ne pas vous reposer ici cette nuit ? Oh, vous m'avez sauvé la vie. Avec tous ces zombies qui rôdent, je doute que le professeur aille quelque part avant demain matin. Désolée de vous avoir impliqué dans tout ça, Frank. Pourquoi ne pas vous reposer ici cette nuit ? Yeah.
Avec tous ces zombies qui... Désolé. Ah, j'aime pas ça. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Eh bien, avant que tout ça commence, quelqu'un a appelé le professeur et lui a donné rendez-vous ici. Vous l'aviez mis sur écoute. C'est lui qui l'a appelé, ce type-là ? Ils ont quelque chose à voir avec les zombies, c'est ça ? C'est justement pour ça qu'on est là. Et s'il disparaît avec le professeur, on n'aura pas de réponse à nos questions. Merde, qu'est-ce qui se passe ici ? J'ai vu quelqu'un à North Plaza. Il quittait le supermarché. Il avait l'air en panique d'ailleurs. On a dû s'en prendre à lui. J'ai
Désolé, ça a coupé. Vous pouvez répéter ? J'ai aperçu une femme dans la bijouterie d'Alfred Caplaza. La pauvre, elle a l'air complètement bien. J'ai trouvé deux survivants dans la librairie de Wonderland Plaza. Ils ont l'air japonais, sûrement des touristes. Par ici! Venez! Magasin de chaussures à Wonderland Plaza. Un gars et une fille, sûrement un couple, ils ont l'air d'avoir un problème. Regardez ça, ça peut carrément faire le buzz sur les réseaux.